Pourquoi est-ce qu'on a retenu 5 thèmes de travail ? Notre lettre de mission nous dit « Faites-nous des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. » La première question qu'on est amené à se poser, c'est « Où sont les émissions de gaz à effet de serre ?» Eh bien, elles sont dans certains secteurs. Et c'est à la lumière de ces informations sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on a défini les thèmes. Mais c'est aussi à la lumière de la vie quotidienne, de ce que les gens font chaque jour pour se déplacer, pour se chauffer, pour se nourrir, pour travailler, pour consommer. Eh bien, je viens d'énoncer les 5 grands thèmes de travail de la Convention. Se nourrir, se déplacer, se loger, consommer et travailler, produire. Ces 5 thèmes, ils correspondent à des expériences quotidiennes et ils correspondent en même temps aux grands facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, les citoyens peuvent en rajouter. S'ils pensent, par exemple, qu'il y a des sujets transversaux, comme l'aménagement du territoire, ils peuvent très bien nous dire on aimerait ajouter un 6e thème, un 6e groupe de travail, pourquoi pas un 7e. C'est leur convention, on l'a dit 100 fois, et ils le savent, donc il est possible qu'on en rajoute. Mais ces 5 grands thèmes-là font consensus aujourd'hui, y compris au sein de la convention, et ils correspondent à leurs attentes, ils correspondent aussi à leurs pistes de réflexion pour lutter contre le changement climatique.